Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Kinty de samedi 11 janvier. Non, oui. Oui, 11 janvier. 11 juin. Le pronostic de Kinty de 11 juin. Alors mes amis, je vais préparer un très très bon pronostic de samedi. Comme ça, on va commencer un très très bon week-end et un peu de vent. Mais j'aime bien vous faire cette vidéo d'atout vert rouge. Comme ça, la vie sera vert bonheur et la chance. Allez, mes amis, alors, on commence. Alors, le vent ne me laissera pas vous faire les pronostics. Ça souffle un peu mal, mes amis. Allez, on commence. Alors, mes amis, mon collection. On est presque. Alors, demain, c'est 11, samedi 11 juin. Ça courra Paris-Vincennes. Il y a 14 partants, mes amis. 14 partants. Et la course à départ, 15h15. Réunion 1, course 3. Voilà, j'arriverai pas avec le vent. Réunion 1, course 3. Il n'y a que 14 partants. Alors, j'ai décidé de vous faire deux vidéos. Cette vidéo avec 7 chevaux, comme ça vous n'avez pas beaucoup de numéros, comme ça vous ne tombez pas la tête. 7 numéros et plus un cheval en cas de non partant, mes amis. Allez, demain, il y a une très très bonne course, mais vous faites le ticket, je vais vous montrer après sur la vidéo de la dernière minute comment on file les pronostics, le ticket, parce qu'il y a un monsieur qui m'a demandé de base. Les bases. Je vais vous montrer peut-être sur la dernière minute. Voilà mes amis, on commence. Le premier pour moi, c'est numéro 6. Numéro 6 avec Charles Bijon. Avec Charles Bijon, celui le driver, celui l'entraîneur. Numéro 6. Ce cheval, il a vu 6 courses cette année. Il a fait première, quatrième, première, cinquième, et toute sa dernière course, il a fait deuxième. Un très très bon cheval. Moi, je le vois d'aller gagner. Je le vois même gagner. 99%. Mon deuxième, c'est numéro 7. Numéro 7 avec Michel Bazir. C'est lui le driver, c'est lui l'entraîneur. Ce cheval, il avait 8 courses cette année. Il a fait quatrième, première, deuxième, troisième, deuxième, première, première. Il disqualifie la dernière course. Mais sur 8 fois, il a disqualifié. Sinon, toutes 8 fois là, il est gagné en placé, gagné en placé. Ça fait 2 numéros déjà. Le 6 et le 7. Mon troisième, mes amis, c'est numéro 8. C'est un outsider. Un outsider de H. Bijon. Alors, de Bijon, c'est lui l'entraîneur, c'est lui le driver. Alors, mes amis, numéro 8. Alors, numéro 8, elle avait combien de courses? 1, 2, 3. Elle avait 8 courses cette année. 4e, 2e, disqualifié. 2e, 4e, 3e, disqualifié. 13e. Et toute sa dernière course, elle a fait 7e. Mais c'est un très bon cheval avec Bijon. C'est lui le propriétaire, entraîneur et driver. Numéro 8. C'est mon troisième. Déjà là, on obtient bien un bon couplet, un bon 2 sur 4. Mon quatrième numéro, mes amis, c'est numéro 4. Numéro 4 avec... Ah, je crois que j'ai mal écrit là. Numéro 4 avec Lagadoc. Ce cheval, il n'a pas une bonne musique, mais je le vois dans le quatrième ou cinquième. Alors, ce cheval, il avait 8 courses cette année. 8e, 10e, 7e, 8e. Non, l'année dernière, ça. Et cette année, il avait que 4 courses. 6e, 10e, 3e et 6e. Toute sa dernière course. Numéro 4. C'est mon quatrième. Mon cinquième cheval, mes amis. Mon cinquième cheval, c'est numéro 10. C'est un outsider. Un outsider de... Biloche, c'est Biloche, son,
son jockey et c'est lui le driver. C'est lui le driver et c'est lui le jockey. Et il a vu 8 courses cette année. Première, 7e, 11e, 5e, 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 3 fois. 5e, 5e, 5e. Juste après, il a fait 2e. C'est un très bon cheval aussi. Il est régulier, ce numéro 10. C'est un outsider de 22 contre 1. C'est mon 5e numéro. Mon 6e numéro, mes amis. C'est le numéro 11. Numéro 11. Avec Thomas. Avec Thomas, il avait 8 courses cette année. 11e, 5e, 1er, disqualifié. Après, il a fait 3e, 11e, 2e et 3e. Ces deux dernières courses sont très bonnes. C'est Thomas et c'est un cheval d'hier soir. D'hier soir, il a de très bons chevaux. Faites vos gaffe à ça. Et là, le matériel pour entraîner ces chevaux. Alors, c'est numéro 11. C'est mon 6e cheval. Mon 7e numéro, mes amis. Mon 7e numéro, c'est numéro 14. Numéro 14 avec Rafan. Et c'est un cheval de Bijon aussi. Comme les Bijon, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rentrés. Faites vos gaffes là. Alors, numéro 14. Il avait 8 courses cette année. Non, 7 courses cette année. 5e, 4e, 8e, 8e, 7e et 9e. Mais il n'a pas donné à Rafan pour rien. Et Rafan et Bijon, c'est des amis. Hein. Les Bijon et les Rafan, c'est des amis. Mes amis, c'est un très très. Ils veulent rentrer son cheval de Bijon, c'est sûr. Et là, c'est un outsider de 18 contre 1, 14. Après, le cheval en cas de non-partant. Et c'est dommage, j'ai pas de place. Le cheval en cas de non-partant, c'est numéro 13. Numéro 13 avec Dival Distin. Dival Distin, c'est un très très bon jockey. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans les courses. Alors, il avait six courses cette année. 6e, 4e, 2e, 6e, 8e et 9e. Mais il peut faire 4e ou 5e aussi. Là, la corde. Il a la corde, je m'en 10. Mais le cheval, il n'est pas mauvais. Il a la cote de 15 contre 1. Numéro 13. Voilà, moi je vois ces outsiders là avec d'autres farforés. Vraiment, on se tient bien un bon ticket à 10,50 €. À part si vous servez des bases, vous prenez par exemple le 6, le 7 et vous faites deux croix et vous rajoutez le 4, le 10, le 11, le 14 et le 13. Le ticket, ça vous coûte 6 €. Non, 10 € parce qu'il y a 5 chevaux derrière. Voilà mes amis, et sinon vous jouez direct à 10,50 €. Voilà, en tout cas, je vous fais un très bon ticket que je l'ai senti bien. Tout à l'heure, je vais prendre encore mes 5 meilleurs de ce ticket. Et j'agite avec deux pépites de genre. Et je vous fais aussi un ticket à 7 chevaux, comme celle-là comme l'autre. Comme il n'y a que 14 partants, ça ne sert à rien qu'on ne fait 1000 tickets. Deux tickets, si on va gagner, ça déjà très 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 bien. Voilà mes amis, je crois que je vais vous montrer mon ticket. Comme ça, vous allez les voir. Le 6, le 7, le 8, le 4, le 10, le 11, le 14, le cheval en cas de non-partant, c'est numéro 13, mes amis. En tout cas, je suis très contente de vous préparer cette petite vidéo. Et je vais répondre à quelques messages peut-être après, sur la deuxième vidéo. Si vous êtes là, je vais choisir mes 5 meilleurs de 7 tickets et plus les 5 meilleurs, mais plus les 3 meilleurs pépites du jour. Je vais vous faire un deuxième vidéo, mes amis. En tout cas, je suis très content de vous faire cette vidéo en espérant qu'on va gagner cette quinte de vendredi. C'est encore la journée, c'est pas encore parti la course. Sinon, je vais vous faire l'arrivée peut-être le soir si je fais la vidéo plus tard, je sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup avec tous les messages que vous me laissez, tous les likes et tous les abonnés qui sont arrivés neufs dans ma chaîne. Et je vous remercie beaucoup pour votre partage aussi. Et qu'est-ce que je veux dire? À part deux, trois messages que ça ne me plaît pas, mais c'est pas grave. Il y a toujours des jeunes qui sont jaloux, qui ne viennent pas, quelqu'un d'autre qui fait mieux que vous.
Et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Pour moi, voyez le mauvais message, monsieur, va aller chercher quelque chose d'autre parce que moi, ça me fait plus rien. Je contente avec plein de monde qui m'aime ici, qui m'a envoyé plein de messages, qui sont contents pour mes pronostics. Et je crois que c'est la meilleure. Encore hier, j'ai donné le quinté, même qu'il n'a pas bien payé, mais quand même, j'ai donné un 7 chevaux. Et ça fait mes 5e quinté de la semaine. Les 204 et le couplet gagnant placé, je ne le compte même plus. Et voilà, je donne l'effort et j'aurai les bons résultats. Et je vous remercie beaucoup à tout le monde là qui sont là pour moi. Et je vous souhaite un excellent week-end en espérant qu'on va toucher un très bon quinté ce week-end qui va payer encore beaucoup plus. Comme ça, ça fera les nerfs à quelques zones, c'est pas grave. Bon, en tout cas, moi je suis contente que tout le monde ait gagné. Ce qui va s'énerver, c'est que voilà, c'est qu'il est méchant. Et moi, je vous adore et je vous aime et je donne beaucoup d'efforts qu'on gagne un bon quinté dans l'ordre. Il n'y a pas de raison. On va aller tomber sur un quinté dans l'ordre avant qu'il finisse l'année. En tout cas, le tiercé dans l'ordre, on a touché plusieurs fois déjà ce mois, on a touché 3 fois le tiercé dans l'ordre. Il n'y a pas de raison qu'on ne touche pas le quinté aussi. Quand on achète notre journal, on prend de 2-3 heures, on étudie sur le cheval, on étudie sur le jockey, on étudie sur le terrain, on fait l'effort. Mais quand on n'a pas le journal, c'est qu'on n'a pas qu'est-ce qu'elle a fait le cheval, on n'a pas la côte, qu'est-ce qu'il y a le cheval, on n'a rien. Moi, je prends, j'ai vérifié à la folie. Et j'arrive à trouver des bonnes et je suis très contente de moi. Et je remercie beaucoup de monde qui sont très là pour moi, qui sont contentes aussi et qui gagnent. Et je vous le souhaite que de bonheur et que de gagner. Et j'espère à tout à l'heure au rendez-vous pour la vidéo de la dernière minute. Comme ça, il y en a quelques-unes qui me demandent quelques questions pour le ticket, tout ça. Je vais leur répondre. Avec un grand plaisir, mes amis. Et vous n'oubliez pas de partager mon vidéo. Me faites liker. C'est vraiment pas obligé, mais si vous voulez, ça me rend service. Et ça me donne beaucoup de courage. Et ça me donne plus d'efforts. Et ça m'aide à ma chaîne et avance encore plus vite. Comme ça, on va arriver à 20 000 abonnés et je vais leur donner encore beaucoup plus de moyens. Et aussi, pour quelqu'un qui m'a demandé l'abonnement, pour l'abonnement, je n'ai pas encore décidé parce que j'ai encore un problème de code du YouTube. Je ne l'ai pas encore réussi. Et normalement, il va arriver ce mois-là, mais je ne sais pas quand. Et c'est pour ça que je vais faire tout en règle. Moi, je ne vais pas arnaquer les jeunes. Je ne vais pas les voler les jeunes comme beaucoup de YouTubeurs qui les font. Et voilà, si je fais un travail, je vais la faire vraiment correcte. Moi, je vous demande, pas les seuls, vous dire, je vais vous faire le ticket. Je vous donne le numéro, vous faites votre ticket. Si un jour, vraiment, je demande les seuls pour vous faire le ticket, je vous demande beaucoup plus cher, et bien, vous allez voir le résultat dans les règles et dans les lois françaises. Et il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Il ne faut pas y avoir l'arnaque. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup de monde qui fait un coup l'arnaque et demande les seuls pour les abonnements. Et qu'elle donne le même ticket à tous les youtubeurs, après elle donne un autre ticket différent. C'est normal, si ce n'est pas celle-là qui gagne, c'est l'autre qui va gagner. Qu'est-ce qu'ils donnent à leurs abonnés, qu'ils encaissent en fait l'argent pour rien. Parce que le ticket qu'il va vous donner, ben vous allez ouvrir un journal sur un pays, mais vous allez les voir le même. Et je crois que vous n'avez pas un des bons résultats, je suis sûr et certain. Et le résultat, c'est tout ce qui est gratuit. Profitez-vous. Et bonne chance à tout le monde. Et le jour que je ferai l'abonnement, c'est sûr que vous allez multiplier votre argent par 1000. Et bonne chance à tout le monde. Et à bientôt. Et je vous attends pour liker et abonner cette vidéo. Et j'espère qu'on va gagner un bon quinté ce week-end. En tout cas, déjà aujourd'hui, vendredi, je sens très bien. Bonne chance, mes amis. Au revoir. Je vous embrasse.